J'ai genre les bras qui shake. C'est quoi? Bonsoir, c'est PL Cloutier. Trouvez-vous que j'ai une drôle de forme? Je suis encore à Chicago. C'est ma troisième journée. On est au Millennium Park. Je suis toujours avec Emma. Elle m'a pas encore abandonné pour retourner à Montréal. C'est ma deuxième fois que je viens faire un tour au genre de haricot géant en métal. Je pense qu'ils appellent ça de cloud, mais je suis pas sûr. Il y a full monde aujourd'hui. Là, tout le monde est juste en mode on veut profiter du beau temps à la Chicago. Puis là, je vais vous montrer en dessous. Là, je me rappelle la dernière fois, c'était tellement bizarre. Ok, êtes-vous prêts? C'est tellement étrange, là, l'espèce d'effet que ça fait. Je vais essayer de zoomer. On dirait que je me vois pas. Où est-ce que... Je suis comme à l'envers. On dirait, je sais pas, je suis... Est-ce que vous me voyez? Je fais un signe de peace. On dirait que je me trouve pas. Est-ce qu'on me voit pas? Je sais pas. Ouh, la lumière est comme parfaite. J'ai peut-être donné un peu un coup à une madame en essayant de faire des signes pour qu'on me voit dans la réflexion, mais c'est trop bizarre. On dirait que je me suis pas vu. Il va falloir que je le regarde encore sur l'ordinateur. J'aime tellement la ville ici, là. Il fait super beau, mon Dieu. J'aime la vie. Fait que là, plus tard, on s'en va voir une game de baseball. La dernière fois que j'ai vu du baseball, j'étais un enfant. Je pense que j'avais 8 ans, puis c'était avec mon père au Stade Olympique à Montréal. Fait que je suis bien excité de ça, voir le match de baseball. Je veux des peanuts and cracker jacks. C'est ça que je veux. Ok, on s'en va voir le baseball. On vient d'arriver au stade, on est comme dans un espèce de petit espace qui est comme réservé pour des médias et tout. On va aller trouver nos places un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est les White Sox qui jouent, qui est comme une des équipes de Chicago contre les Twins de Minnesota. Je peux pas rien dire de plus que ça, parce que c'est ici que se terminent mes connaissances en baseball. Je viens d'arriver au baseball, là j'étais full fier, genre je voulais vous montrer mon pretzel, mais je viens de le casser, genre je suis comme un loser, j'ai pris. C'est un papillon, c'est un beau papillon. Les filles en arrière de nous sont vraiment dedans là. On vient d'avoir l'hymne national. Je suis vraiment excité de toute cette expérience-là. Je vais vous montrer, on a des super bons, bons sièges. On est en arrière du marbre. Voilà, des feux d'artifice le jour. C'est maintenant la pause. Je sais pas si on est supposé appeler ça la mi-temps ou quoi, là, mais on est au kiosque de hot dogs. Je savais pas, ils ont des hot dogs Chicago style. On va essayer ça. C'est le retour de ce jeu de balle et Emma est en charge de notre hot dog géant. Je vais vous le montrer, c'est ça le hot dog Chicago style. Il y a tellement d'affaires dedans là, que finalement le hot dog est pas si important, c'est presque une salade. Oui! Dans le fond, on est en train de manger une salade. Puis ah oui, on a trouvé du popcorn dans une boîte, mais là j'étais un peu déçu, je pensais que vu que c'était écrit note, il y aurait des noix, mais c'est vraiment popcorn genre comme au cinéma, mais il est délicieux. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite mèche de cheveux dans le vent? On est un peu plus tard, on est allé se changer à l'hôtel et là, on est à une nouvelle tour. Encore une affaire pour qu'on ait le vertige, là. C'est Chicago 360. Vous allez voir ça plus tard, là, mais je sais pas encore si Emma et moi, on va le faire. Là, on est les deux un peu stressés, mais c'est un genre d'affaire que tu vas à 30 degrés dans le vide comme ça penche. En tout cas, vous allez comprendre quand vous allez le voir, là, mais c'est en haut, là, on s'en va au 99e étage. J'essaie de montrer, ça marche pas. Ok, on va y aller. On vient de vivre un moment sur le trottoir. Emma et moi, on était comme... Puis Anastasia qui nous accompagne de Shoes Chicago a comme pas compris pourquoi on a crié, mais on est juste comme, oh my god, le Cheesecake Factory. Peut-être qu'on va y aller avant qu'on rentre à Montréal. Oh, c'est quoi ça? C'est ça? Pas le droit de gun. Hein, mais il a l'air fermé. Ça, c'est la chose la plus triste que j'ai jamais vue de ma vie. Oui, il se passe rien dans le Cheesecake Factory. Oh! J'ai jamais assisté à une scène aussi dramatique. As-tu déjà vu quelque chose de plus triste que ça, Emma? Non. Jamais. On va prendre un moment de silence pour ce Chocolate Factory fermé. OK! OK, le miracle existe pour vrai. On vient de tourner au coin de la rue. Un sous-sol complet de Cheesecake Factory. Oh my god! Avec une terrasse en plus!
Je suis comblé. J'adore. Oh là là, ok, voici. Sérieux, je suis pas sûr, je vais le faire. Non. Ouh, hey, y a un enfant de genre 6 ans qui le fait. Oh là là, hein? T'as l'air fou un peu, par exemple. Ok. Bon, c'est ça qu'on s'en va faire. Ça s'appelle Tilt. On vient d'arriver au 99e étage. On n'est pas encore dans le manège, là. C'est juste un observatoire régulier. Regardez ça. Moi qui aime tellement les vues, là, hein? C'est là qu'on était l'autre jour pour faire la grande roue sur le Navy Pier. Puis on a fait le tour d'hélicoptère autour d'ici. Wow! C'est vraiment magnifique, là. Je soupçonnais pas que la couleur de l'eau était comme ça ici. J'adore! Je pense que j'adore trop de choses à Chicago. Ça continue de l'autre côté. Et juste mes proches, moi, là, je suis comme potent, là. Mais c'est moins pire que l'autre, je trouve. C'est parce que les buildings sont plus hauts autour. Je pense qu'on a l'impression qu'on est moins... qu'on est moins haut, mais c'est vraiment beau, là. Est-ce qu'on va à notre hôtel? Oh, on est derrière la tour, là. On est dans ce coin-là. Regardez ça, il y a un modèle réduit de notre, de notre tour. Ça a l'air de ça. Puis nous, on est là, où il y a le party disco. Je sais pas si c'est comme supposé me rassurer, mais il y a un genre de squelette en haut sur la tour. Oh my god, que c'est beau, là. Il y a même une petite plage en bas. Ça doit vraiment être trippant venir ici l'été. C'est magnifique! Wada wow! Je viens de découvrir le truc Tilt, là. Le monde a l'air d'avoir quand même assez peur. Hii. On n'a pas encore fait le tour de manège. Je suis juste en train de peut-être savourer ce qui va être mon dernier verre de vin de ma vie avant de mourir un peu dans l'expérience Tilt. Cheers! C'est maintenant que ça arrive. J'ai comme un peu la chienne de cette affaire-là. Ok. Ok, genre, je suis pas bien, là. Ok, je vais vous montrer, là. C'est le genre de... Oh my god, ok. Je sais pas comment je vais faire pour vlogger. Est-ce que vous me voyez? Mes mains sont moites. Sérieux, là? Je le sais plus. What? Ok, je suis pas bien, là. Combien de temps avant qu'on le fasse, là, qu'on puisse juste comme s'en aller? On peut-tu le faire, là? Je t'en ai d'attendre. J'ai les mains tellement moites. Moi aussi, j'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Oh, je vais vous montrer la vue, là, comme... Ok, faut que je me calme. Oh! C'est pourquoi la musique? Oh mon dieu, j'aime pas ça! Emma, j'aime pas ça! Oh mon dieu! Ok, là on est genre à niveau. J'ai genre les bras qui shake. Oh! Oh! Là on est à niveau 2. Il faut que j'écarte mes jambes. Je vois le Cheesecake Factory en bas! Oh, ça continue encore! C'est une joke, fuck you! Voyons donc! Non, sérieux, je trippe pas, là. Non, j'aime pas ça. Ok, non, ça... je m'ai... Hey, j'ai l'impression que mes jambes glissent, genre... On dirait que moi, il faudrait que je me couche à la vitre. Ok, c'est tout, là? Je pense que c'est fini. Is that it? That's it? Ok. C'était full facile. J'ai même pas eu peur. Sérieux, je pense que j'ai chié dans mes culottes. J'ai pas aimé ça, pis on dirait que je sentais mes pieds glisser, genre. Moi, c'est mes mains qui glissaient. Ah, et je m'en allais en oubliant mon sac tellement je suis traumatisée. Ouh, hein, c'était vraiment le fun. J'adore. Emma s'en va aux toilettes après notre tour de manège. Bye! Les sorties gourmandes continuent à Chicago. On est chez Sonda. C'est de la cuisine asiatique. Nous sommes dans un restaurant un peu bruyant, alors je vais vous parler proche du micro de mon cocktail
à la ginger beer qui a l'air délicieux. Ok, je viens de goûter à mon cocktail, là. C'est juste tellement épicé. Mais c'est bon, mais il y a comme des piments forts, là, genre à la peño mexicain. Là. On a finalement apprivoisé ce système d'ascenseur B. Oh, on y va-tu? Yo, on l'a manqué! Va falloir repeser. 12. F. Ascenseur F. On est de retour à l'hôtel. J'ai tellement mangé là, en ce moment. J'ai l'impression que je pèse 300 livres. Et si vous ne me croyez pas, voici tout ce que j'ai mangé ce soir. Super! C'était vraiment bon. Je vous conseille ce resto-là si vous venez à Chicago. C'est comme cuisine asiatique, mais avec une touche un peu différente. J'ai adoré! C'est vraiment mon mot du voyage. J'adore! J'adore tout! Si vous avez aimé cette journée à Chicago, donnez un thumbs up à la vidéo. Le voyage achève. Il reste une journée complète. Il va rester un vlog, puis après ça, c'est le retour à Montréal. Je commence à m'ennuyer de mes bébés chats. J'espère qu'ils vont bien. Je les ai fait garder chez leur grand-papa, puis il m'a pas envoyé de photos. J'aimerais y écrire pour qu'il m'envoie des photos de mes grosses chattes. Bon, restez abonné à ma chaîne, puis tout. Ok, salut!